l'a dit, la vallée, c'est plus de 5000 m², de quoi accueillir toutes sortes d'événements à l'année, expos, concerts, conférences, apéros, formations. Plus d'une quinzaine d'événements du genre y ont déjà vu le jour depuis ses débuts. On s'est dit qu'on pouvait ensemble créer quelque chose avec la vallée et inviter aussi des artistes de notre réseau, faire participer les artistes de la vallée, puis d'autres connaissances bruxelloises pour faire une grosse exposition ici. On avait de la peinture, dessin, des installations, de la gravure, du pochoir, un peu de tout. Un lieu qui permet aux artistes émergents d'imaginer et de créer des événements ambitieux qui attirent un public de plus en plus demandeur. 25 artistes, c'est quand même beaucoup. Du coup, ça semblait parfait et un peu un lieu un peu à la fois sale, mais un peu joli, pas trop propre, qui allait bien avec l'état d'esprit des artistes exposés. Une mutualisation comme ça et une synergie avec autant de créatifs dans tous les domaines, c'est forcément positif, ça permet de développer des choses. Et la montagne est vraiment née un peu de cette rencontre et de cette interaction qu'il y a pu y avoir.